Justin Trudeau, le Premier ministre canadien est dans l'œil du cyclone. Ainsi, pour la première fois, il vient de réagir à une accusation d'agression sexuelle vieille de 18 ans. C'est une vieille histoire qui remonte à la surface. Justin Trudeau, qui se pose volontiers en féministe et défenseur des minorités, a dû répondre à une drôle de question. Celle-ci concernait des accusations d'une journaliste sur un comportement inapproprié de sa part lors d'un festival de musique à Creston, en Colombie-Britannique, en 2000. Ainsi, Justin Trudeau a affirmé se souvenir de la journée, mais pas de la moindre interaction négative, rapporte 7 sur 7. Je me souviens bien de cette journée à Creston. J'ai passé une bonne journée ce jour-là. Je n'ai aucun souvenir de la moindre interaction négative. Or, après cette journée, un article était apparu dans la presse accusant Justin Trudeau d'avoir peloté une journaliste. À l'époque, le Premier ministre du Canada n'avait que 28 ans et aucune responsabilité politique. Lors des faits, le texte précisait que Justin Trudeau s'était excusé en soulignant qu'il se serait montré plus prudent s'il avait su que la journaliste travaillait pour un quotidien national. L'accusatrice, identifiée par la chaîne CBC, ne souhaite pas être citée, ni que son nom soit associé à cette affaire. C'est la première fois que Justin Trudeau est amené à commenter publiquement cette affaire.